Oh putain mec, mais je t'ai pas raconté ce qui m'était arrivé la semaine passée. J'en ai rien à foutre, Simon. Bon, je te raconte quand même. C'était une soirée d'hiver très calme qui se profilait devant moi. Je me préparais tranquillement des pâtes bolo, je voulais me râper un peu de fromage. Sauf que mon gars, pas moyen de mettre la main sur la râpe. Et tout de suite, je sens qu'il y a quelque chose de pas normal. Et puis là, je me dis, mais attends une minute. Il y a le laveur de vitres qui est passé tout à l'heure. Et en y repensant, il y avait un truc dans sa façon de laver les vitres qui était bizarre. Je sais pas comment l'expliquer. Le genre de laveur de vitres qui te met tout de suite mal à l'aise. Tu vois ce que je veux dire? Non. Et là, pour moi, il y avait de moins en moins de doutes. Ça devait être cet enfoiré qui avait piqué ma râpe. Le problème, c'est que j'avais beau me creuser la tête dans tous les sens, ce bougre n'avait laissé aucun indice. Alors, j'ai décidé de ressortir mon chapeau et de mener l'enquête. J'ai commencé par faire des recherches sur les laveurs de vitres et j'étais encore loin de me douter que j'avais mis le doigt dans une putain d'organisation. Une mafia de laveurs de vitres. Et puis là, après des heures de recherche, bingo, je tombe sur une adresse. Je la note et j'essaie d'y aller. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été rencontrer le Big Boss, le parrain Stu. Pendant une heure, j'ai cuisiné le bâtard. J'ai employé toutes les techniques d'interrogatoire possibles. Mais tu sais, dans ce milieu, il y a un code d'honneur. Hein. Ça balance pas aussi facilement. Il a rien voulu lâcher. Et il a fini par me remballer. Décidément, mon enquête piétinait. Et là, mon gars, c'est le moment où la chance m'a enfin souri. Je suis tombé sur ce flyer, là. Challenge Maxime Picot. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout de suite flairé que ce salaud allait être là. J'allais donc à nouveau recroiser la route de mon ennemi. Alors, je profitais d'une dernière soirée à siroter un petit whisky dans mon salon. T'aimes pas le whisky, Simon? Non, c'était peut-être pas du whisky, mais... Ce que je voulais te dire, c'est que cette drape, pour moi, c'est une petite partie de moi. Une partie de mon âme. Elle a toujours été présente dans les moments difficiles. Et ça, je l'oublierai jamais. Et là... Là, il était l'heure d'y aller. J'allais l'affronter, cet enculé. Maxime Picot, ce nom ne me disait rien. Avec son air triomphant et provocateur, sûr qu'il devait bien se foutre de ma gueule en rappant son fromage. Mais l'heure de la vengeance avait sonné. Hé, Picot ! Tu as volé mes rêves de victoire. Et ouais, mon petit bonhomme. Les temps sont durs pour les rêveurs. Et voilà, tu connais toute l'histoire. Alors, j'ai peut-être pas récupéré la râpe, mais au moins justice a été rendue. Putain, mais Simon, on n'a jamais eu de râpe. Ah non? Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai, putain.